La méthode tactile de la corde pour le voyage astral. Certaines personnes éprouvent beaucoup de difficultés à visualiser, mais par contre, elles peuvent facilement s'imaginer les sensations physiques d'un mouvement, tension des muscles, étirement des tendons, sensation tactile obtenue par la pulpe des doigts et la plante des pieds. On dit de ces personnes qu'elles ont une imagination kinesthésique. Cette méthode de la corde a été mise au point par le chercheur américain Robert Bruce dans le but d'aider des aveugles de naissance à effectuer le voyage astral. Malheureusement, les ouvrages de Robert Bruce ne sont pas traduits en français. Par contre, vous pouvez trouver sa méthode relative à la corde traduite en français sur le site internet http://www.voyage-astral.fr. Le principal ouvrage de Robert Bruce est Astral Dynamique aux éditions Hampton Roads. C'est un gros ouvrage, malheureusement non traduit en français, et ça c'est sûr, c'est très dommage. Je cite le site de Robert Bruce, mais c'est un site en langue anglaise, http://www.astraldynamics.com. En un seul mot, .com. Donc, passons à la pratique. Vous vous allongez confortablement, les paupières closes, les bras le long du corps. Vous abandonnez votre jambe droite à la lourdeur, à la pesanteur. La jambe droite très lourde, très pesante. Vous abandonnez la jambe gauche à la lourdeur, à la pesanteur. La jambe gauche très lourde, très pesante. Vous abandonnez le bras droit à la lourdeur, à la pesanteur. Le bras droit très lourd, très pesant. Vous abandonnez le bras gauche à la lourdeur, à la pesanteur. Le bras gauche
très lourd, très pesant. Vous abandonnez vos épaules à la lourdeur, à la pesanteur. Vos épaules très lourdes, très pesantes. Vous abandonnez votre tête à la lourdeur, à la pesanteur. Votre tête très lourde, très pesante. Tout votre corps lourd comme du plomb, lourd comme du plomb. Vous avez l'impression qu'il pèse des tonnes, comme si tout votre corps était en train de s'enfoncer dans le divan. Avec une impression moelleuse, confortable. Bien. Maintenant, vous prenez bien conscience de vos chakras, leurs sensations purement tactiles. Au niveau de vos chakras, vous pouvez ressentir une sensation de creux ou et de tourbillonnement parfois aussi de chaleur. Ressentez bien le chakra racine au niveau du muscle du périnée. Puis le deuxième chakra, un peu en dessous du nombril. Puis le chakra du plexus solaire au creux de l'estomac. Puis le chakra du cœur au centre de la poitrine. Puis le chakra de la gorge en avant du cou. Le chakra du troisième œil entre les sourcils. Le chakra coronal au sommet du crâne.
ressentez votre souffle qui passe dans chacun de vos chakras, les uns après les autres, en remontant. Souffle chakra racine, souffle deuxième chakra, souffle plexus solaire, souffle chakra du cœur, souffle chakra de la gorge, souffle troisième œil, souffle chakra coronal. Puis maintenant, je vous demande de penser à la sensation tactile d'une corde suspendue au plafond qui descend juste au-dessus de votre corps. Vous prenez le bas de cette corde dans vos deux mains, en imagination. Ressentez si cette corde est rêche ou bien un peu lisse. Si son diamètre est large ou plutôt étroit. En tout cas, vous grimpez à cette corde avec vos mains, l'une après l'autre. Vous continuez de grimper. Ceci soulève votre corps astral. Sentez combien vous vous soulevez. Continuez de grimper. Prenez conscience de cette sensation de vous élever toujours davantage. Sentez bien la corde. Allez toujours plus haut. Toujours plus haut. Grimpez à la corde une main après l'autre. Soudain, tout votre corps astral s'est extrait de votre corps physique. Sentez cela, vivez cela.
Vous flottez librement au plafond. Avec cette impression agréable de légèreté. Un peu comme une bulle qui s'élève à travers l'espace. Sentez-vous vous élever à travers le ciel? Voler dans les nuages. Ressentez l'impression moelleuse et cotonneuse des nuages que vous traversez. Ressentez l'impression moelleuse et cotonneuse des nuages que vous traversez. Puis finalement, ressentez l'immense chaleur du soleil qui vous réchauffe et vous revivifie. Imprégnez-vous de toute cette énergie solaire. Vous êtes plein d'énergie et de vitalité. Et maintenant, je vous laisse quelques minutes dans cet état d'extériorisation de votre conscience, dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous suggère, par exemple, pour ces premières expériences, d'aller voir une personne amie ou de votre famille. Il suffit de vous concentrer mentalement sur cette personne et d'émettre la forte intention de se retrouver à côté de cette personne et soudain vous vous retrouvez effectivement dans son environnement. Voyez cela, sentez cela. Et je vous laisse quelques minutes en ce lieu, en présence de cette personne.
Bien. Maintenant, vous ressentez de nouveau la corde dans vos mains. Et une main après l'autre, vous vous laissez redescendre le long de la corde qui vous ramène, bien sûr, vers votre enveloppe physique. Elle vous ramène de plus en plus vers votre enveloppe physique. Vous redescendez toujours davantage, ayant toujours cette impression de redescendre le long de la corde. Vous redescendez toujours davantage, encore davantage. Et bientôt, vous regagnez votre enveloppe physique. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien les contacts de votre corps avec le divan. La nuque, les épaules, les mains, les avant-bras, les coudes, les talons, les mollets, les cuisses, le bassin, les fessiers, le dos en contact avec le divan. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.